À ce moment, le Burkina Faso connaît une grande difficulté au niveau de la fermeture des écoles. Et il faut dire en somme que nous avons le tiers de nos écoles privées et publiques qui sont fermées à cause des attaques terroristes et qui a commencé, je le disais, en 2015 dans la région du Sahel et de l'Est. Mais actuellement, c'est sur toute l'étendue du territoire que la situation est vraiment difficile. Nous avons aujourd'hui, comme je le disais, beaucoup d'enfants qui sont privés d'éducation et qui sont regroupés dans les centres urbains avec leurs parents. Depuis 2018, il a été mis en place une stratégie, c'est-à-dire un système de formation pour permettre la résilience des élèves et tous les acteurs du système éducatif affectés durement par la crise. Récemment, en 2019, notre gouvernement a été accompagné par l'IEP, UNESCO, pour mettre en place une stratégie de scolarisation des enfants dans les zones à fort défi sécuritaire. Alors, nous avons pu commencer la mise en œuvre et je pense que ça sera vraiment porteur pour que nous puissions continuer l'éducation des enfants. Des alternatives pour la continuité de l'éducation ont été mises en place dans la région du Sahel, plus précisément dans la province de Loudalan. Nous avons expérimenté le PER, éducation par la radio. Nous avons identifié des enfants dans les zones inaccessibles à cause de l'insécurité. On a formé des noyaux et on a identifié et des adultes qui les accompagnent et des radios locales étaient identifiées pour faire passer des émissions liées à l'éducation. Et après cela, le gouvernement a continué ses efforts en regroupant les enfants qui ont pu exécuter au moins 80% du programme à pouvoir passer le certificat d'études primaires. Et ce regroupement a eu lieu dans 5 centres et nous avons pu vraiment donner la chance à des enfants qui ont pu valider leur année scolaire.